Qu'est-ce qu'il fait, Hit? En vrai, Hit, il est pas trop mal quand même. Bon, il change les kills intérieurs sur Ki Rainbow. Voilà, toujours pratique. Additionnel, 66% chance de spé. Avec un crédit pour récupérer, grande chance d'esquiver. Attaque élève 66 et chance d'esquiver plus 16% quand le kit est à 12. Il va être à 12, hein. Encore attaque 110% pour chaque attaque réalisée pendant le même tour. Chance d'esquiver plus 6% pour chaque spé réalisé pendant le même tour. Ouais, et après, contre, il contre comme il gâtait sur les esquives. Alors du coup, alors, attends, avec tout ça, donc là c'est 4,64. Et derrière, 1,3. Bon. Voilà, donc bon. On va dire somme toute correcte. Mais après, surtout, c'est l'esquive, il a grande chance. Il a même 66%. On est à Ki 12, on sera toujours à Ki 12. Donc 66, et après, il gagne 6 par spé lancé. Si je fais 2 spé, bah on passe à 78. Si j'en fais 3, je peux pas faire plus de toute façon. On va passer à 84. Voilà, donc c'est correct, il passe ZTUR, hein, donc voilà. Si ZTUR un jour, il y a un potentiel intéressant, quoi, mais... On va essayer de contrer, justement. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas ça qui va faire renaître la team Universis, mais... En même temps, c'est pas ça qui... voilà. Alors les dégâts augmentent, ouais, si... Oui, ah bah ok, bah il est. Hein, putain, il a fait 0 additionnel le mec. Ah merde, j'ai pas pris de Ki Rainbow, le con. My bad, c'est ma faute, c'est ma faute, Hit, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, frérot. C'est ma faute, je m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va corriger ça après. Ne t'en fais pas. Bon, calé, calé, calé. Ouais, calé, calé. Ouais, calé, non, mais calé. Ouais, calé. Calé, calme-toi, calé. Je crois qu'elle a pas compris quand je lui ai dit calme-toi, en fait. Ok, ok, ok. Hmm. D'accord. Hmm. Ouais. Alors les Namek. Ils ont donc des stats par l'Universis dans la team. Ou Namek. Bon là évidemment on est full, hein, sinon ça n'ira pas. 100% pendant l'attaque. Additionnel 70% chance de spé si un autre perso Universis. Bon faut jouer Universis, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire. De la régène si un perso Namek. Bon. La garde si on est full Universis ou Namek. Voilà, donc perso lock à Universis ou Namek. Et on a attaque def sur l'aspé, ou contre l'attaque des alliés de 30%. Bon, on va jamais jouer devant, donc pas très utile. Voilà, donc ça va pas être bien compliqué hein, au niveau du calcul. Hein. 196 x 2, 1.3, 500k garde, écoutez. C'est correct. Alors, en vrai, 500k garde, ça peut être mieux. Il a quand même une additionnelle 70%. Hein, donc, en vrai, il peut assez facilement double spé, ça fait 630. Et si on vient triple, ce qui est possible, évidemment, on va monter à 750. Écoutez, c'est... Oui, c'est correct. Disons que... Bah, ce qui manque à ce perso, c'est un support. Parce que là, voilà, c'est... Voilà. Donc, c'est très correct. Pareil, en ZT8, il y a du potentiel de ouf. Voilà, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ouais, bah, à voir, quoi. Quand il y aura une cauliflade de Canfest, ils éveilleront ZT8, ses persos. Faudra voir à ce moment-là ce qu'on peut faire. Ça pourrait être des options sympathiques. Wouh! Vraiment, Coniflatek est là, hein, sinon je pourrais même pas jouer. 5 millions, on peut te taper 3 fois. Écoutez, voilà. C'est pareil, c'est très correct. Hein. On imagine dans cette heure un peu plus de stats, un peu plus de passifs. On pourrait venir taper assez facilement 7, 8 millions x 3. Ah, vraiment, c'est correct, hein. C'est correct. C'est correct, hein, franchement. Alors, on a Champa. Alors, le truc avec Champa, c'est que c'est un... Bah, comme bien souvent, hein, un perso aléatoire. Enfin, il a un passif aléatoire. Donc, en gros, c'est quoi? 70% de chance d'avoir 300% attaque, grande chance d'avoir 400% attaque, chance moyenne d'avoir 500% attaque,
rare chance d'avoir 600% attaque et 50% par qui pris en termes de def. Attaque et def de 100% si j'ai pris 3 qui au moment de l'attaque. Donc c'est un truc voilà, avec plein de pourcentages de chance. Donc du coup, bon, va savoir. Tu vois, ce qui va proc, mais s'il proc beaucoup de bonus, ça peut vraiment taper très fort. Hein. Et. Non, je suis pas fan des 8 où il y a beaucoup d'RNG. Mais là, c'est de la RNG au niveau de l'attaque en fait. Hein. Pas de la def. Mais après, la def, alors regardez. Voilà, on prend. Voilà, on a pris 9 keys, c'est pas mal. Hein. Donc 200, enfin 235. Et il prend 200% au moment de l'attaque. Donc ça fait x3, ça fait 700k def. Mais il a rien d'autre. Donc voilà. Après, c'est vraiment un perso un petit peu troll. Hein. Je sens pas, enfin en mode. Pas... Voilà, genre là, tu peux faire des gros dégâts avec pour rigoler, mais. Bon, après, là, niveau là, il proc pas grand chose. Hein. Évidemment, si on jouait avec un virus ou autre. On pourrait faire un peu plus, mais bon, de toute façon tu vas jamais jouer ça en vérité. Mais voilà, après il a voilà, il a pas. Il a rien d'autre. Donc bon, faut qu'il rajoute quelque chose de l'esquive hein, en ZTR, parce que sinon. Au moins qu'il y ait une option pour pas crever quoi. Alors là les dégâts, je sais pas ce qu'il a proc ou non. On va voir. Faut voir. Hito ! Bon, hit les dégâts, ouais, c'est pas incroyable. Mais de la même manière, ça peut être sympa en ZTUR aussi. On a les petits contres. Alors, les contres sont comptés comme des attaques, les gars. Hein. Donc, on monte nos stats à chaque fois, là. Hein. Et 66% d'ailleurs. Du coup, on peut même monter bien plus haut, ouais, mais... Ok, il a rien proc, là. Ah ouais, non, non. Non, non. Ok, Champa, il a rien proc, les gars. Enfin, quasi. Enfin, il a proc... trois fois rien, je vous le dis. Là, il a proc que dalle, le frérot, là. Non, non, non. Parce que quand je farmais les liens, j'ai vu des valeurs passer alors que j'étais même pas lead correctement. Non, mais Colifer qui esquive tout devant, on s'en sort pas si mal. Hein. Une team de merde là. Merci Colifla, hein, merci beaucoup. Parce que là, sinon, je pouvais même pas jouer quoi. Merci pour les travaux, hein, Colifla. Vous savez, Colifla, c'est un peu comme. Faudrait que je fasse un top 10 un jour de ce genre de personnage. Vous savez, les persos. Qui seront jusqu'à un certain point, mais éternellement utiles. Polyfla, Tech, Godku Tech, Golden Agi. Vous voyez ce genre de perso un peu intemporel qui, à un moment ou un autre, toujours tu les ressors quoi. Parce qu'ils ont un truc qui fait que. Vegeta 3 en vrai pendant très longtemps aussi. Mais là maintenant il a vraiment 0 stats donc c'est compliqué, mais. Calé. Bon, Champa, prochain tour, proc des passifs, frérot, parce que... Ça fait chier, là. Tu peux faire beaucoup mieux que ça, hein. Alors, Champa, là, qui a proc du bonus, là. Là, Champa, il a proc du bonus. Oh, oui. Là, il a proc du bonus. Ouais, 700, ouais. Là, il a proc du bonus. Ouais, ouais. Non, mais non, non, mais... Ito ! Ito, la triplette. Oui. La triple. Le contre. Champa. Oh bah c'est, en fait, c'est les bonus qu'on avait tout à l'heure. Il peut faire mieux que ça. Hein. Et le kill. Ouh. Champa. Mais c'est pas le max, hein. C'est clairement pas le max. C'est pas le max, hein. Ouais, les Piccolo, c'est les seuls qui... C'est... Enfin, les Piccolo... les Namek, c'est les seuls qui peuvent taper. Et ils le font. Et ils le font, hein. Et ils le font, les gars.
Bah alors Goku n'arrive pas à toucher, n'arrive pas. Bah alors. Ah, on peut pas contrer. Ça c'est pas cool. Ah mais c'est qu'on peut pas tanker ça trop hein, parce qu'on a pas de PV. Hein. Alors qu'on rush le Dokkanmon. Hein. Ouais, on va jamais sortir de cette phase. Ouais, ça fait pas beaucoup. Mais il peut en proc plus quand même que ça. Hein. Là, il a pas proc. Proc ça non plus. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Ouais. Millions. Pas de critique. Dommage. Je suis pas de code avec Cody Flatec quoi. Ah bon. Ah parce qu'avec la réduction il va pas taper, grand chose. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. Ça en fait tellement pas de dégâts à cause de sa réduc. La triplette de hit. Voilà les Namek qui vont peut-être réussir à finir. Ah ouais, Caulifla va taper là, il y a Kay là, donc elle va récupérer les additionnels et tout. Allez, on va accélérer le combat parce que on a fait un peu le tour hein, de toute façon. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Voilà, ah tu rigoles moins là hein. Ah ça rigole moins là le Goku là hein. Ah oui. Voilà, voilà, ramasse, voilà, bah oui. Bah oui Goku. Ah tu rigoles moins là hein.
Pas terrible. Ouais. Non mais vraiment, je sens pas là, ça reste vraiment le... C'est un peu le perso vraiment troll là pour rigoler, mais... Après, en ZTUR, il y a moins qui rajoute assez pour que ce soit intéressant, mais... Bah full boost, rien qu'en farmant les liens, je l'ai déjà vu partir à plus de 22 millions, un truc comme ça. Donc je pense pas qu'il l'était full, parce que c'est vraiment chaud pour l'avoir full. Mais amené, full full, ouais, t'es pas loin des 30 millions quand même. Faut pas qu'il ait la flemme quoi. Ah ok, pas mal, pas mal. Pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Bon voilà, bah écoutez, non mais il y a du potentiel, hein, y a du potentiel. Hit peut monter assez haut en esquive, hein, d'ores et déjà, tu peux monter à plus de 80% d'esquive. Post-attaque, les dégâts sont en l'état pas ouf, mais ça peut devenir plus intéressant en ZTUR. Il crée des ki, ce qui est une bonne chose de manière générale. Il a aucune condition, hein, faut quand même le noter. Hein, il n'est pas lock univers 6. Donc voilà, c'est à noter quand même. Hein. Il a aucun lock. Donc dans une team où il y aurait besoin de ki, je sais pas, ça pourrait être intéressant. Voilà. Bon, après, les Namek, bon, eux, c'est soit Namek, soit univers 6. En l'état, on est déjà à 600, en gros 600 K-garde. Pas mal, aujourd'hui évidemment c'est un peu juste, mais en ZTUR ça sera mieux, donc passif augmenté, plus de stats, on pourrait gratter le million, garde, ça sera très correct, ça fera une belle option gratos, donc pas mal, ok, cool. Bon et puis Champa, j'en espère pas grand chose, hein. Je pense que ça va rester un perso troll quoi, perso ultra aléatoire, donc bon après si je lui rajoute de l'esquive éventuellement, pour qu'il ait de la survie quoi, mais voilà, pour rigoler, mais dans tous les cas je pense que ça, reste, ça deviendra pas un perso sérieux quoi. Ça sera un perso troll. Mais bon, ça reste quand même correct en lié.